Salut toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, liquide, je le liquide, liquide. Je ne veux pas du Aujourd'hui, minimum. j'ai avec une nouvelle vidéo parce qu'on en était, qui dit été, dit solde d'été. Je sais, ma blague a été tellement pourrite, mais bon, j'ai envie de la faire. Et aussi de passage, bon, ça, ce petit pansement là qui part en pansement, mais j'ai une blessure, du coup, bah, je mets ça, donc faut pas trop calculer. Donc, du coup, j'ai fait un peu, enfin, j'ai fait des mini soldes parce que j'avais envie d'acheter des petits vêtements pour faire une vidéo. Du coup, j'ai acheté des vêtements juste pour la vidéo. De base, j'avais même pas acheté de vêtements, mais de base, j'aime pas faire les soldes. Mais je me suis dit, vas-y, il faut que j'alimente ma chaîne YouTube. Du coup, j'ai acheté des vêtements et je vais vous montrer et je vais les essayer. Comment on appelle ça? On appelle ça les try-on. Non, try-on. J'ai oublié. Mais en tout cas, les mots des youtubeurs, donc. On va commencer. Bon, je vais faire dans le désordre parce que c'est dans le désordre. Du coup, peut-être je vais essayer de faire dans l'ordre. Du coup, j'ai fait trois magasins. J'ai fait H&M, Primark, Bershka et Jennifer. Donc voilà. Ce petit haut-là. Ce petit haut vient de chez H&M qui m'avait coûté 7 euros. Je le trouve tellement beau. Ensuite, en parlant d'H&M. Ce haut aussi, enfin c'est un body, il est comme ça, je vous montre, c'est un body rouge comme ça, il vient de H&M, il m'a coûté aussi 7 euros. Ensuite, j'ai acheté un short de chez H&M, un short taille haute, un petit short taille haute, un petit short taille haute comme ça. Il est tellement bien, en plus la couleur elle est bien et j'aime bien parce qu'en fait il n'y a pas de déchirure, genre il est simple et c'est trop bien, tu peux porter, ça va pas faire trop vulgaire parce que comme c'est un short, s'il y a encore des déchirures dessus, bah ça va faire un peu trop de vulgarité. Du coup, bah j'ai pris ça. Ensuite, bon, j'ai trop d'habits sur moi là. Bon, passons aux vêtements que j'ai acheté juste en haut à Bershka et c'est un petit débardeur, franchement, parce que j'adore les petits hauts de chez Bershka. Ils sont trop beaux les hauts de chez Bershka. Du coup, je vous montre. Oula, j'ai trop d'étiquettes. Bon, ouais. Ce haut-là, décolleté, vient de chez Bershka. Il m'a coûté 4 euros. Il est tellement beau. En plus, j'aime trop. Il y avait tellement de petits hauts, mais franchement, je sais que j'ai pas trop les porter. Du coup, voilà. Ensuite, passons à Jennifer. À Jennifer, j'ai acheté ce haut-là. Vous voyez les robes cocktail? Les robes cocktail, ça tombe. C'est un haut un peu en. C'est juste. C'est un peu en mode cocktail. Je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais de toute façon, je vais vous mettre l'essayage juste à côté là. Du coup, c'est comme ça. Genre, il est noir, il est simple. Il m'avait coûté 4 euros aussi. J'ai fait des bonnes affaires. Hein. J'ai fait des trop bonnes affaires. Ensuite, encore à Jennifer, je me suis acheté un haut. Je me suis acheté un haut, une manche. Attendez, il a l'envers. Il était à 17 euros. Et ils m'ont soldé à 7 euros. Et c'est un haut à une manche noire. Du coup, comme ça. Comme ça, si vous voyez. Voilà, juste il y a une seule manche là. Il est trop beau. Et là, on a fini Jennifer Bershka. On va passer à Primark. J'ai acheté que des jupes. Du coup, j'ai commencé par cette jupe. Ah, vous avez vu comment elle est? Elle est tellement belle. Vous avez vu la couleur pimpante? Ouh là là. En plus, c'est une taille haute là. Il y a marqué un high waist là. Taille haute et tout. Du coup, elle me va trop bien. Elle est trop belle. Vraiment trop belle. Ensuite, j'ai acheté que des jupes taille haute parce que j'adore tout ce qui est taille haute. Ça affine la taille, je trouve. Du coup, bah, je prends même mes jeans. Hein. Presque tous mes jeans sont taille haute. Du coup, cette petite jupe avec un petit zip là et le petit poids, ça fait tellement mignon le petit poids. J'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, je peux les porter en. Ça fait un peu été et je peux même les porter en hiver parce que je trouve le motif, ça me fait passer en hiver un peu avec un petit collant. Ça va être sucré. Et j'ai oublié de dire le prix de la robe, de la jupe rose. La jupe rose, je ne sais plus, je l'achète à combien. Je l'avais acheté à 11 euros, la jupe rose.
Celle-là, je l'ai achetée à 15 euros. Et elle était soldée. Hein. Cette jupe, je l'ai achetée à 15 euros. Ensuite, alors toujours chez Primark, je me suis acheté une jupe bleue brute. C'est toujours taille haute. Genre, elle est tellement belle. Celle-là, je trouve qu'elle est intemporelle. Je peux la porter n'importe quand, toutes les saisons. Été comme l'hiver, je peux la porter parce qu'elle est trop belle. Et genre, celle-là, je l'avais achetée à 10 euros. Voilà, elle était sous la 10 euros. Et le dernier article que j'ai acheté, c'est une longue jupe comme ça de chez Primark. Une longue jupe comme ça, qui était à 17 euros. Elle est taille haute, hein. Elle est taille haute. Et elle était à 17 euros. Elle était soldée parce que le bas était à 20 euros. Et j'ai acheté ça en soldé. Donc voilà, là je vous ai présenté tous les achats que j'ai fait. Je vous ai présenté tous les achats que j'ai fait pour ma vidéo. Bon, ensuite je vais essayer. Et dans la deuxième partie de ma vidéo, je vais essayer de concocter des petits looks pour voir des petits looks d'été, des petits looks mignons.